Bonjour. Le colis rouge, Jean-Christophe Ruffin. Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien, tout cabossé, aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme, usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et au milieu d'eux, un chien. Un chien qui détient la clé du drame. Rendez-vous à la Maison Le Sceau ce jeudi à 14h pour connaître qui sont ces personnages.